Eh bien bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce dernier épisode du Let's Play sur Starfield. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très très bien. Et oui, vous avez bien entendu, c'est la dernière, nous Vous sommes cherchez dans... quelque chose? Oui, je cherche les viewers qui vont regarder évidemment ce dernier épisode. J'espère que vous allez bien, donc oui, la dernière du Let's Play sur Starfield, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Nous sommes... à New Atlantis, nous allons parler à l'adjointe McIntyre qui se trouve Tams. Elle se trouve au Tams, donc voilà. Je suis tellement un flemmard, je me suis téléporté au Tams alors que c'était juste à côté. Waouh, bravo Desclave. Super, bravo. Je suis fier de toi, Desclave. J'espère en tout cas que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Au moment où je tente cet épisode, je ne sais absolument pas combien de temps ça va durer. On va bien voir. Ah mais c'est dans le puits. Bon, on va pas faire ça. Alors comme vous pouvez le voir, on a plein, plein de missions. Mais sauf que nous, on va s'attarder sur Parmi les étoiles. Nous allons, eh bien, nous consacrer et nous concentrer sur les missions principales, histoire d'avoir l'unité et de pouvoir passer, eh bien, à la dimension d'après. Et c'est vrai, mon vaisseau, il est énorme. Oui, faites pas attention, c'est un vaisseau qui a été modé. Si vous aviez vu l'épisode sur la flotte écarlate, eh ben vous savez de quoi je parle. Trouver l'artefact. Élément géophysique inexpliqué. Eh bien, nous sommes partis. Nous sommes partis du coup. Alors évidemment, c'est l'épisode final de la série principale, parce qu'il y aura aussi le let's play sur le DLC qui ne Le site comptera pas d'atterrissage a l'air dégagé. avec les épisodes principaux. Posons-nous. Voilà, je préfère vous le dire, il y aura évidemment un let's play sur le DLC. Putain, mais ce vaisseau. Ce vaisseau, c'est n'importe quoi. Je changerai, je remettrai le frontière après. Alors. Allons prendre l'artefact qui est tout là-bas. Nous sommes accompagnés de Sarah Morgan. Sarah Morgan qui voulait me parler d'ailleurs. Merci de m'offrir un peu de votre temps. Je vous promets de faire vite. Je pensais que vous méritiez de savoir combien j'étais fière que vous ayez aidé l'Union coloniale et éliminé la flotte écarlate. Vous avez sauvé presque sans aide les systèmes occupés de l'un de leurs plus dangereux ennemis. Je suis à court d'éloges vous concernant. C'est un sacré compliment en venant de vous, Oh, Sarah. je suis pas sûre de mériter ça, mais c'en est pas moins agréable. J'aimerais savoir par quelle motivation vous avez pris la bonne décision. Vous aviez la main sur l'héritage de Krix que vous auriez pu facilement remettre à la clé, mais vous avez préféré rejoindre le Vigilance. J'ai refusé de contribuer au renforcement de la flotte. Oui, heureusement. La flotte écarlate aurait été suffisamment riche pour financer ses opérations pendant des décennies. Alors, vous regrettez pas d'avoir trahi Delgado? J'imagine que vous avez formé un sacré binôme jusqu'à la fin. Non. Delgado, Delgado est en présent, là où il Je suis mérite bien d'être. d'accord. Avec Delgado sous les verrous dans une prison de Lucé, l'espace sera plus tranquille pour tout le monde. Je n'ai plus qu'une seule inquiétude, c'est de savoir combien de temps la paix va durer. Nous ne serons jamais débarrassés Étant de la donné que flotte. Naeva Mora n'a jamais été capturée ou tuée, je suis du même avis que vous. J'espère simplement qu'elle est suffisamment intelligente pour s'exiler définitivement. Seul le temps nous le dira. Bon, il semblerait que j'ai un peu tué l'ambiance avec notre charmante conversation. J'espère ne pas vous avoir trop embêté. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Eh bien, pas de soucis, Sarah Morgan. Continuons, reprenons. Parmi les étoiles. Alors bon, comme vous pouvez le voir avec l'interface et tout ça, évidemment, le jeu a été modé. Modé jusqu'au fion. Je pense que ça se voit avec le vaisseau. Mais oui, j'ai décidé de modder le jeu parce que bah, c'est beaucoup plus marrant, un jeu modé. C'est rigolo, des modes. Non? Vous trouvez pas? Bon, on se retrouve dans la grotte parce que ça va être dans une grotte. Hein. Évidemment, de toute façon, vous savez ce qu'on va faire. On va aller récupérer l'artefact. Je le retrouve tout de suite dans la grotte.
Et nous voilà devant la grotte. C'est parti. Allons prendre le premier artefact. Dans la découpeuse. On prend le sabre laser, évidemment. Si je ne m'abuse, c'est par là. Nous y voilà. Enfin. Ah oui, c'est vrai, il y a des Astriens. Bon. Je pensais pas que j'allais le one-shot, mais ok. La découpeuse comme si c'était un pistolet. J'ai peut-être trop modé le jeu. Je pense. Bon. Et bah vous savez quoi, nous on va se retrouver au prochain endroit. Et je vais me prendre aussi le frontière juste après. On se retrouve juste après cette petite ellipse. A tout de suite, messieurs dames. Re, chers amis, nous sommes de retour. J'ai pris le frontière et nous arrivons sur la planète Pizza. L'esclave, c'est Piatti. Oui, bon. C'est même pas une planète, c'est une lune. Le chemin de Mecha oublié. Ah, cimetière. Chemin. L'esclave, apprends à lire. Au revoir, Balthazar. Niveau 635. Je n'ai pas du tout triché, ou pas de quoi vous parler. C'est niveau 635. Tout est vert, on peut atterrir. Let's go. En vrai, le frontière, même si on l'améliore pas ou quoi que ce soit, ça reste un très bon vaisseau. Je me rappelle que sur le début du let's play, je l'avais gardé très longtemps, le frontière. En vrai, à ne pas sous-estimer. Oh, des spatiards. Oh, je peux les affronter avec la... avec le sabre laser. Ya. Vous allez crever. Zouche. Oh, ça rame un petit peu. Normal, à cause des mods, tout ça, l'optimisation forcément elle est pas... elle est pas au beau fixe. Mais c'est pas grave, on fait avec. On a toujours fait avec. Terrier de charognard. Oups. J'ai vu les... de texture. On va rien dire. Donc ça, le cimetière de Mecha. Dommage qu'on puisse pas en piloter un dans l'aventure, quoi. C'est... pourtant, il y a grave moyen de... peut-être dans un Starfield 2, à la limite. Mais purée, c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas de véhicule qu'on puisse piloter, à part les vaisseaux et tout. Ah ah, je vais t'affronter au sabre laser. Ya. Un avant-goût de l'infini. Meurs. Zouche. Je fais le tuyau au sabre laser. Ça c'est fait. Ok. Je peux le prendre. Let's go. Allez, on est reparti. Oui. On continue, on s'arrête pas. D'être de retour. D'être de retour, je suis d'accord. Hop là. Où est-ce qu'il faut qu'on se pose? Laboratoire robotique. De robotique déserté. Il y aura des spatiards. Comment tu sais, d'esclave? Oh, j'ai l'habitude. je m'y connais maintenant. Je pense que je peux dire que je m'y connais maintenant. Après
après tout le let's play quand même. On peut y aller pour l'atterrissage. Oui. Ah, oh, oh, ah ouais, ouh là, ça pue le spatiard. Bâtiment comme ça. Oh ouais, oh, oh bah ouais, là, là, ouais, il y aura du spatiard. Il y aura du spatiard. Oh mes FPS. Tu veux mourir? Oh mais c'est la flotte écarlate. Ah oui c'est vrai. J'ai ce mod. Bon on va rentrer à l'intérieur. Allez. Let's go. Complexe scientifique. On y va. Est-ce que là tu speedrun? Ouais, je speedrun. Qu'est-ce que tu vas faire du coup c'est ça, speedrun que tu fais là? Mais oui, oui, oui. Comme tu le redis si bien, oui, oui, t'as speedrun. Waouh, je rame énormément. Je vais peut-être baisser mes graphismes. Bon, de toute façon, c'est Starfield, on verra pas la différence. Tiens, je vais faire ça. Voilà. Bon, les FPS un peu plus stables. On est à 30 FPS, quasiment. Bon, c'est les mêmes que sur Xbox. Essayez ça avec moi. Mettez-lui la pression. Attendez, je m'occupe de l'unité et après je suis à vous. Prends l'artefact. Let's go. Il n'y a pas eu d'astrien, tiens. Ah. Pas de pitié. Salut. Je sais pas où je vais. Je sais pas si c'est par là. Je me balade, très clairement. Ce n'est pas du tout par là. Hein? Salut Sarah. Ah mais c'était pas. Voilà. Pas choisi, bonjour, pour oh je peux pas détruire le robot derrière. Ok. Comme ça. Allez, nous sommes partis, nous allons aller au prochain objectif. A tout de suite. Bon Yong, nous sommes de retour. Oh une station. La tanière. Ah bah oui, ah mais oui, c'est la base de l'UC ça. La tanière. Allez, direction la mine abandonnée. Waouh. Magnifique écran de chargement. Je me demande qui a bien pu prendre cette photo quand même. Elle est incroyable. N'est-il pas ? C'est peut-être un petit peu long le temps de chargement. Enfin, c'est. Voilà. Vous allez bien, vous, sinon? Ah! Let's go! Notre mine abandonnée. Quittée. Donc là, c'est tout au fond qu'il faut aller. Enfin, tout au fond de la base. Donc c'est parti. Oh la gravité est forte. 1,25. Ouais. Les FPS au secours.
Ah mais non, c'est pas tout au fond qu'il fallait aller. C'est vrai, il y a une entrée en dessous. C'est des spatiards. Là, c'est ça qu'il faut ouvrir. Tac. Non. Voilà. Et voilà. Voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça de... Non ? Vous trouvez pas ? Bon. Alors... Là, c'est tout au fond. C'est par là. C'est moi. Non, c'est par là. En effet, c'est parti. Pardon. Oula, oula, la caméra, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Oh, tu... Merci. Par là, aucun chemin détecté. Bon, on va dire que c'est par là. C'était pas par là. Par là. Non, là, là, voilà. Salut. Je vais saigner. Pfiou. Et donc, en son pied, même dans la mort. J'ai besoin d'assistance immédiatement. Ah. Voilà. On va avoir froid ici, hein. Bougez-vous. Bon, la toux, ça me fait un petit peu chier. Tac 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 tac. Voilà. Qui a raison, tes dégâts respiratoires. C'est terminé pour toi. Là? Bon, fuck it, au bout d'un moment. On va aller se faire voir. Ah, je gagne un onde de gravité. D'accord. Et ben, bah, merci beaucoup. Ok, let's go. On va y arriver. C'est beaucoup de ça, mais vous inquiétez pas, ça va. Ah, maintenant on va aller sur Rejeton, ma planète préférée, évidemment. Atterrissage, comme le disait Sarah Morgan. Let's go. On est parti. Là, je crois que c'est les Varun. Non. Mais il y a un... Je crois qu'il y a un artefact qui est gardé par les Varun, il me semble. Ça l'a pas tué ? Non, non, c'est pas ça. On va le tuer avec ça. Hein. Ah ouais, je te dois combien ? Zouche. Oh, t'es niveau 2. Oh, qu'ils sont mignons. Je le one shot. Ah ouais. Zouche. Zouche, zouche. Ouvrir la porte. Open door.
Zouche, zouche, zouche. Oh, 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 aïe. Oh, une base quand même, ouais. J'avais jamais fait attention à ce qu'il y avait ici. En fait, je fais quasiment pas attention au décor quand je suis en train de speedrun comme ça. Mais c'est sympa. Hop là. Let's go. Let's go. Et ben on se retrouve sur la prochaine planète. Allez, c'est parti. Ok, re. Nous sommes en pleine bataille spatiale. Je viens à peine d'arriver. Oh. Oh putain. C'est quoi un rouge? Oh Sainte Marie, mère de... Oh mais je suis mort. Je suis mort. Il faut que je me barre. Je vais recharger la sauvegarde. Hein? On va faire ça. Allez, let's go. Direction Jemison. Vite. Direction Jemison. Let's go. Re, mesdames et messieurs, j'ai pris un vaisseau adéquat pour la bataille. Ouais, bah attendez. Hein. Ouais, bah. Excusez-moi, madame. Ah merde, mais Liberastra m'attaque aussi. Ah, mais merde, l'Union coloniale aussi. Tout le monde m'attaque. Je crois que j'ai détruit la classe de 6ème de Madame Moore. Merde non. Bon bah tant pis, la classe de 6ème. Ah et puis évidemment je peux pas les... Oh je peux pas les laisser hein. Et ils vont m'attaquer. Mais laissez-moi! Je vais pas me faire tuer par des putains de sixièmes! C'est pas possible! On va y arriver à l'avoir ce dernier artefact, c'est pas possible! Alors! C'est bon! Je peux y aller! C'est fini! C'est bon! Allez, avant-poste abandonné, le dernier artefact. Après, on pourra construire l'armillère dans le vaisseau et on pourra y aller. Enfin, on va y arriver. On y est, mesdames et messieurs. Bon, intégrité de la combinaison normale. J'espère que ça vaut la peine. Dernier artefact. Gardé par des spatiards. Zouche. Vraiment, ce sabre laser, je vais le garder. Là, la discrétion. On est discret, personne nous a vu. Personne n'a vu un énorme vaisseau se poser juste devant eux. Personne, je dis bien personne, n'a été alerté. Voilà, évidemment, ils nous ont vus. Attendez, je prends l'artefact. Parmi les étoiles, on va parler à Sarah. On fera après.
retourne au vaisseau. On retourne au vaisseau. Et on parlera à Sarah dans le vaisseau. Au secours! À l'aide! Voilà! On est sauvé! Ensuite, j'aurais dû faire directement aller au cockpit. Là. Là. Oula. Voilà. On décolle. On va y arriver, mesdames et messieurs. Aucune hostilité ne sera tolérée. Oh merde. Remettez ce moteur en marche. Oh merde. Oh merde, la sécurité de l'UC. Faut qu'on se casse. Faut qu'on aille dans un autre système. On va aller là, sur le système d'Altaïr. Allez, plus vite. Passé. C'est passé. Allez. On va parler à Sarah Morgan. Où est Sarah Morgan? Où est Sarah Morgan? Non. Non. C'est pas vrai. Elle est pas restée là-bas. Sarah Morgan, plus jamais vous me refaites ça, ok? On dirait que vous avez été aussi efficace que nous. Tous les artefacts qu'on a selon vous rassemblés dans votre univers, on les a trouvés dans le nôtre. Et maintenant? Le chasseur et l'émissaire se retrouvent toujours au même endroit. Ils auront les autres artefacts. Maintenant, je m'invite à une réunion entre Astriens. D'après ce que vous nous avez dit, ce chasseur et cet émissaire ne vont pas nous remettre leurs artefacts de bon cœur. Si vous n'avez pas encore trouvé tous les temples, ce serait le moment. Allez, et ben c'est parti maintenant pour la track finale. C'est vrai, il y avait une track finale, j'avais oublié. Oh, j'ai bien pris mon temps. Oups. Oui. Je n'ai besoin d'aucun d'entre vous. Je vous affronterai tous les deux dans le temps. On va affronter les deux. Ça m'intéresse. Allez. Tiens, c'est vous. Avec l'émissaire en saison, une fois de plus, la fin est proche. Ah bon. Bah voilà.
Et du coup, il faudra aller sur Mazda 3 et on va changer de vaisseau parce qu'il y aura une bataille face aux Astriens et on va prendre le vaisseau modé. A tout de suite. Allez, nous sommes partis, mesdames et messieurs. Le dernier saut. Oups. Oups. Avec le vaisseau. Avec le vaisseau modé. La frégate, comme je l'appelle. Et nous sommes partis du coup. Très bien. Je n'ai pas voulu ce combat, mais je ne laisserai aucun d'entre vous contrôler les artefacts. Mourir. Voilà. Bravo, vous avez réussi à détruire mes... Enfin, à me mettre en service pendant quelques secondes. C'est admirable. Le nôtre aussi. Voilà. On va se poser sur la planète. On va en terminer. Une bonne fois pour toutes. C'est parti. Let's go. Oui, quittez. Les voilà. Alors peut-être, l'écran de chargement. C'est une chance infime que cette planète ait un jour abrité la vie. C'est étonnant. Vasco. Capitaine, bonjour. Je constate avec... Je n'y vois aucune... Tu viens avec moi. J'ai besoin de mes meilleurs hommes. Je pense qu'il va pas venir. Ouais. Il vient pas. Ah, donc... Si, si, viens. Vasco, viens, oui. Bon, et bah c'est parti messieurs dames. La dernière. La der des der. Nous sommes partis. Ok. C'est parti pour la phase la plus chiante, je dirais. Jamais je ne mourrai. C'est que vous êtes chiant à tuer. Surtout qu'après ils reviennent. Ah, au moins. Parler à Sarah Morgan, mais c'est pas le moment. Oh, 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 oh. Toi, t'es casse-couille.
quelqu'un. Meurs. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'était chiant. Ok, c'est parti. On continue. Prochaine zone de combat. Nous y voilà, nous y voyons. Éliminer l'Astrien. Où est-il ? Est-il? Levez-vous et défendez le temple une fois encore. Et où es-tu, Astrien? Assez. La mort vous attend. Je viens me chercher. Là-bas. Salut. Ouais, moyen d'ouvrir la porte. Je peux pas. Et est-ce que je peux j'ai triché, j'ai récupéré tous les items. On va voir. Et bah c'est passé quand. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Une autre phase assez chiante. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Je voulais tout faire pour le... pour l'esquiver. Ok, toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra. Hop. Mettre à jour les paramètres alliés ennemis. Recalibrer. Voilà. Vente de tourelles à distance. Mettre à jour les paramètres alliés ennemis. Recalibrer les paramètres alliés ennemis. Voilà. Les
200 watts. Ah non, pas le temps. Bon, ça c'est fait. Waouh, ça c'est du rapide. Bon, un moyen d'ouvrir la porte. Je vous invite à la prudence. Je suis étonné que votre corps fragile puisse survivre à un si puissant. Ouais. Ah! Hop là! Wow! Et c'est parti, on prend l'ascenseur. Ça va Vasco? Tu es mon meilleur élément, tu le sais ça. Oh. Salut. Au revoir. Tant pis. Ah. Je vois rien. Vasco. Vasco. Vasco, j'ai rien vu. Ah, bon, tant pis, pas grave. Tant pis, on va faire 100, c'est pas grave. Hein. Bon, on va s'armer et après on va aller les battre, ok? Allez. Allez, hein, on dit qu'on fait ça? Ouais, allez, ça marche. C'est parti. Scrutez les abysses infinies. Ah oui, c'est vrai, il y a le gardien Fion. Doublon, doublon. Où est-il? C'est un doublon. Ouais, le vrai. C'est un doublon. Ça, c'est un doublon. Je vais t'exterminer. Ouais. Là, c'est le doublon. Gardien pion. L'enfoiré. L'enfoiré, il s'est téléporté. Cet affrontement résultera probablement en notre. Oh, mais c'est pas vrai! C'est la fin de votre éternité, mais arrête de courir et viens me battre! Si tu penses être si fort.
Voilà. Maintenant, les deux autres. C'est parti. Discours. Arrêtez ça, tous les deux. Tous ces combats dans les systèmes occupés doivent cesser. Encore à vouloir discuter. Je suis un peu déçu. Non. Attendez. Je veux entendre ces arguments. D'accord. J'ai déjà triomphé de cette épreuve. Ne pensez pas pouvoir me faire obstacle. Ça, c'est de la confiance. Je savais que vous seriez un excellent élément pour les Austriens. N'y a-t-il pas eu assez de morts? C'est pas bien d'être méchant. Vivre et laisser vivre, c'est ça? Eh bien, je ne sais pas pour vous deux, mais... il y a bien longtemps que je ne m'étais pas senti si vieux. Peut-être est-il temps de mettre fin à tout ça. Au moins cette fois. Tenez, prenez les artefacts avant que je ne retrouve mes esprits. Prenez l'artefact. Je reviens pas. Bon, je voulais faire un effet de transition, mais ça n'a pas marché visiblement. Dommage. Ah bah voilà. Nous y sommes. L'armillaire peut enfin être assemblé. Et les Astriens nous jurent que quelque chose se passera de l'autre côté. Quelque chose qui nous rendra comme eux. Je pensais qu'après tout ce temps, je trépignerais d'impatience à l'idée de sauter dans l'inconnu, mais j'ai l'impression d'hésiter. Vous avez raison. Non. C'est ce que nous voulions, Sarah. Je sais, et croyez bien que j'en ai conscience, notre destinée. Mais après ça... disons que nous franchissons l'unité, que nous devenons des Astriens et entrons dans un autre univers. Est-ce que Constellation sera là? Un bon petit soldat qui parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Très bien. Au travail, alors. Un saut de plus dans l'inconnu. Je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. Pas le temps. Tant pis pour la romance. Oh. Allez. Balthazar, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, oui, je sais, vous êtes amoureuse de moi. Comment le saviez-vous? Je sais. Ah, je pensais qu'on allait être en orbite, mais pas du tout.
je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. On n'aura pas le moment. Le décollage semble bon. Système de minot. Schéma orbital verrouillé. Allez. Refaisons l'arminière. Vous avez complété, oui. Qu'est-ce que c'est ce vaisseau? J'emporte le vaisseau astrien avec moi. Et voilà. Casque, bien invisible. Vous avez réussi. J'espère que vous appréciez la vue. Je ne me lasserai jamais de la regarder. L'éternité. Vous dites ça à chaque fois. Vraiment ? Bienvenue à la maison, membre des Astriens. Comme toujours, le chemin vers un nouvel univers se trouve droit devant, derrière moi. Ou alors, vous pouvez faire demi-tour et repartir là d'où vous venez. Vasco. Pendant que vous réfléchissez à avancer vers l'infini, laissez-moi vous offrir un aperçu de ce qu'il va advenir de l'univers que vous quittez. Qu'est-ce que c'est ça ? Tandis que l'essence de votre personne se répand à travers l'espace et le temps. Le chasseur et l'émissaire vaincus tous les deux, les habitants des systèmes occupés n'auront d'autre choix que de découvrir le chemin vers l'unité par eux-mêmes, sans être interrompus dans leur quête par de puissants Astriens. Oh merde. J'ai sans faire exprès créé de nouveaux Astriens. Là-bas c'est Constellation, ils continuent leur recherche, etc. Et là-bas c'est le commandant Incandé avec la flotte écarlate, tout ça. Eh ben, nous pouvons y aller. Bien que vous laissiez cet univers derrière vous, un nouvel univers vous attend. Qui serez-vous dans celui-ci? Quel choix ferez-vous? Et quel sera l'univers en question?
Et ben, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, suivi ce let's play pendant plus de 6 mois, 7 mois. En plus de 6 mois pendant cette presque année de let's play. J'espère sincèrement que ce let's play vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, je vous invite à partager, à le revoir s'il vous a vraiment plu. J'ai adoré faire ce let's play sur ce jeu qui est devenu mon jeu préféré. Je suis sincèrement heureux d'avoir fait ce let's play sur ce jeu avec vous, que ce soit aussi sur les streams ou directement en vidéo. Je continuerai à y jouer évidemment, et comme promis, vous aurez le DLC en let's play qui sera disponible sur la chaîne. Mais je pense qu'il fallait mettre un terme au let's play principal pour éviter de se répéter et de continuer à faire des épisodes juste parce qu'il faut faire des épisodes. Je suis content, très heureux de terminer un autre let's play sur cette chaîne. Et puis, on se retrouvera bientôt dans les étoiles pour Shattered Space. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. C'était Desclaw. Des bisous à toutes, des bisous à tous. Et à la prochaine. Des bisous YouTube.